Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de l'éveil des chakras, ces centres énergétiques sur les différents corps subtils de l'être humain. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour pour nous apporter des précisions sur les chakras et comment les éveiller. Dans un instant. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nodéo. Je précise que vous êtes professeur en anthropologie gnostique. On vous reçoit sur ce plateau pour que vous puissiez nous aider à comprendre ce qu'on appelle chakra. Alors, qu'entend-on par chakra? Eh bien, avant de répondre à votre question, je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau au cœur du mystère, pour partager avec nos frères et sœurs la connaissance qui libère. Eh bien, chakra, il faut dire que c'est un mot sanskrit. C'est un mot sanskrit qu'on peut traduire littéralement par roue. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'une roue physique, c'est une roue d'énergie qui est reliée à notre corps éthérique. Le corps éthérique, qu'on appelle aussi le corps vital, c'est un corps qui épouse la forme du corps physique. C'est l'assise du corps physique. Le physique ne peut jamais exister sans le vital. Et les chakras sont des centres, des points d'énergie qui jalonnent tout le corps éthérique et qui nous permettent de nous nourrir en énergie vitale. L'idée de roue qui accompagne ces centres énergétiques est dû au fait que les chakras tournent. Ce sont des tourbillons d'énergie. Les chakras tournent pour pouvoir propager l'énergie dans nos autres corps subtils, c'est-à-dire les corps qui sont au-delà du corps éthérique, mais aussi dans le corps physique. Et il faut être sincère, que quand on parle des chakras, pour certaines personnes, bon, c'est une évidence. Pour d'autres, ça pourrait être vrai. Mais pour beaucoup de personnes, c'est de l'utopie. Ceci est dû à l'influence de la culture. Si nous prenons l'exemple des Indiens, pour n'importe quel Indien, l'existence des chakras, c'est une réalité. Ou tout au moins, ça fait partie de leur culture. On les a bercé dans ça, et quand on voyage, pas seulement en Inde, mais en Orient de façon générale, on voit les Indiens marqués d'un point rouge, le chakra du troisième œil. Et cela ne signifie pas, bien évidemment, que tous les Indiens maîtrisent le fonctionnement, le rôle des chakras. C'est un peu comme chez nous ici, dans nos traditions, il y a le culte des ancêtres qui est très présent. C'est très présent, mais tous ceux qui participent, qui font le culte aux ancêtres, n'ont pas eu l'occasion de contacter de façon directe les ancêtres. Cependant, on peut, avec des expériences très simples, prouver l'existence réelle des chakras. Si nous prenons un instrument capable de mesurer les moindres traces d'électricité, par exemple un galvanomètre, et nous mettons les antennes, les aiguilles du galvanomètre sur la langue, par exemple, on va voir une certaine quantité d'électricité. Si nous déplaçons ces antennes, les électrodes, pour être précis, au niveau du cœur, par exemple, où nous savons qu'il y a un centre énergétique, là, un chakra, on va voir une grande quantité d'électricité. On va voir une grande variation, ce qui prouve que là, il y a un magnétisme qui est très fort. Donc, les chakras, c'est une réalité. Sans les chakras, nous ne pouvons pas vivre. On doit, pour en tirer profit, c'est-à-dire travailler correctement avec ces chakras et faire en sorte que ces chakras nous permettent d'avoir la vitalité, nous devons comprendre correctement comment ils fonctionnent au lieu d'avoir une idée vague de leur existence. Alors, quel est le rôle donc de ces chakras-là? Eh bien, le rôle des chakras, pour le comprendre, nous avons besoin de cerner deux autres notions, pardon, à savoir la notion de nadi et la notion de prana. Nadi, le mot, ça veut dire quoi? Bon, nadi signifie littéralement canal, tuyau.
C'est un autre mot sanskrit. Le sanskrit, c'est une très vieille langue. Et bon, voilà. Quant au prana, il signifie énergie vitale. Il faut dire que nous nous maintenons en vie grâce à ce qu'on appelle l'énergie vitale, le prana, qui est un fluide subtil qui est présent dans tout l'univers. Et ce fluide est transporté à travers les nadis, c'est-à-dire les tuyaux, les canaux. Les nadis sont les canaux de transmission de l'énergie vitale. Et les chakras reçoivent, les chakras sont les réceptacles de l'énergie vitale du prana. Donc, nous avons les chakras dans notre corps éthérique, dans notre corps vital. Le prana est un peu partout dans l'atmosphère et le prana passe par les nadis, d'accord, pour venir aux chakras. Et les chakras, nous les avons définis tout à l'heure comme une roue d'énergie. Quand les chakras tournent, les chakras irradient cette énergie qu'ils reçoivent dans notre corps éthérique, mais pas seulement dans notre corps éthérique, dans tous les corps internes, c'est-à-dire le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Ce qui nous permet de nous mettre en relation avec les dimensions supérieures. C'est-à-dire que sans les chakras, on ne peut pas expérimenter les vérités cosmiques. Sans les chakras, on ne peut pas connaître les grandes réalités de la vie. Ça, c'est purement mystique, c'est purement spirituel. Mais les chakras jouent également un rôle très important pour notre vitalité. Parce que chaque chakra est relié à une glande endocrine. Et on sait quelle est l'importance de ces petits organes, c'est-à-dire les glandes endocrines. Et chaque chakra est également relié à un plexus nerveux. Donc, quand les chakras reçoivent l'énergie et les irradient, cette énergie-là va aux glandes endocrines, va aux organes qui sont reliés au chakra et nous permet d'être en bonne santé, d'avoir la vitalité. Et bon, on entend souvent parler de chakras bloqués et tout. Même avant de parler des chakras bloqués, si par exemple le canal par lequel le prana, l'énergie vitale doit passer, donc les nadis, si les nadis ne sont pas suffisamment ouverts, cela signifie que l'individu va recevoir peu d'énergie vitale. Donc on va le sentir de façon physique, la personne va manquer de vitalité. Si par contre la personne reçoit suffisamment d'énergie vitale à travers ses nadis, mais que les chakras sont bloqués, c'est-à-dire ne tournent pas correctement, alors ils ne vont pas jouer leur rôle qui consiste à envoyer cette énergie qui est reçue aux organes. Donc les organes ne vont pas fonctionner correctement. En synthèse, l'importance des chakras réside dans le fait que si nous ne les éveillons pas correctement, nous allons rester dans le dogmatisme. Nous allons rester dans les superstitions, nous allons rester dans le fanatisme, nous allons rester dans l'ignorance. Et de plus, nous allons manquer de force vitale, nous allons manquer d'énergie vitale. Très bien. Alors, combien de chakras avons-nous, Kenneth? Très bonne question, parce qu'on entend souvent parler de 7 chakras. Quand on parle des chakras, le chiffre 7 revient souvent. Bon, dans l'hindouisme, on dit qu'on a 88 000 chakras. C'est beaucoup, 88 000 chakras. Et moi, je dirais que c'est juste une indication. Ça dit qu'on n'a pas 1, 2, 3, 88 000 chakras. C'est juste une indication pour nous dire qu'on a beaucoup de chakras. Nous avons des chakras dans les mains. Nous avons des chakras au niveau des genoux. Nous avons des chakras au niveau des épaules. Nous avons des chakras au niveau des poumons. On a des chakras un peu partout. Il faut reconnaître que de cette multitude de chakras que nous avons, il y a 7 qui jouent effectivement un rôle très important. Et ce sont ces chakras qu'on étudie souvent. Ces 7 centres énergétiques sont situés le long de la colonne vertébrale. C'est-à-dire les 7 chakras principaux sont ceux qui sont situés le long de notre colonne vertébrale. On peut les citer, nous avons
En commençant par le bas, nous avons le chakra de base, le chakra racine, comme on l'appelle aussi, le chakra Mooladhara, comme les orientaux l'appellent. Nous avons ensuite le chakra sacré, le chakra Svatisthana. Troisièmement, nous avons le chakra du plexus solaire, le chakra Manipura. Ensuite, nous avons au niveau du cœur, le chakra du cœur, bien évidemment, le chakra Anahanta. On a au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, comme ça que les Occidentaux se sont habitués à l'appeler, c'est-à-dire le chakra Vishuddha. Et on a le plus célèbre de tous les chakras, le chakra Ajna, et enfin le chakra Sarasrara, le chakra couronne. Ce sont ces sept chakras majeurs. Très bien. Alors, pour nous donner plus de détails sur les fonctions et les caractéristiques des chakras. Avec plaisir. Bon, on va commencer, l'ordre importe peu, mais nous allons quand même commencer par le chakra de base. Le chakra racine. Ce chakra-là est situé entre les organes génitaux et l'anus. C'est-à-dire précisément à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, le dernier os qui termine la colonne vertébrale. C'est le siège de la Kundalini. La Kundalini, c'est la présence de l'éternel principe féminin de Dieu. C'est la manifestation de l'aspect féminin de Dieu en nous. C'est un feu très puissant. Le commun des mortels se trouve enfermé dans le coccyx. Et il faut travailler justement pour éveiller ce feu divin. Alors, en parlant de ce feu, on nomme ce feu aussi le serpent de feu. Pourquoi ? Parce que c'est un feu, c'est une énergie. Mais quand ce feu monte, il prend l'aspect d'un serpent. Donc ce n'est pas que nous avons un serpent en nous, mais nous avons une énergie qui serpente en montant. Et cette énergie, quand elle monte, elle nous apporte l'illumination, elle ouvre davantage nos chakras. Le chakra Mooladhara ou le chakra racine est relié par exemple au surrénal. Ce sont, j'ai dit tout à l'heure, que chaque chakra est relié à une glande. Alors, lorsqu'on éveille, on développe correctement le chakra Mooladhara. Je dis correctement parce que tous les autres chakras peuvent être bloqués. Pardon. Mais le chakra Mooladhara n'est jamais bloqué. Parce que c'est celui qui nous maintient en vie. Il se bloque totalement quand on meurt. Donc il ne peut jamais être totalement bloqué. Donc les qualités liées à ce chakra, c'est par exemple la stabilité, l'ancrage, le désir de vivre. Vous savez, il y a des gens qui, à un moment donné, sont fatigués de la vie. Depuis, si on les observait, on allait constater que ce chakra-là est bloqué. Si nous voulons nourrir le désir de vivre, dans sa juste mesure, bien sûr, il faut que ce chakra fonctionne correctement. Aussi, la stabilité, on peut aimer vivre, mais être très instable dans sa vie. Quelqu'un qui, par exemple, change de domicile tous les 6 mois ou change d'emploi tous les 18 mois ou un homme qui change de conjointe après chaque grossesse, c'est que la vie est instable. Oui. Donc c'est un dysfonctionnement, c'est dû à un dysfonctionnement du chakra Mooladhara. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, le chakra sexuel. Il est relié sexuel parce qu'il est relié à la prostate et aux testicules chez l'homme, et à l'utérus et aux ovaires chez la femme. Alors, je voudrais attirer l'attention de nos chers auditeurs sur le nom qu'on donne à ce chakra, le chakra sacré. D'ailleurs, le mot Svadhisthana, si nous voulons le traduire littéralement, ça veut dire la résidence du soi, c'est-à-dire le soi qu'il faut distinguer du moi, parce que les gens ont tendance à confondre le moi avec le soi. Non, le moi n'est pas quelque chose à adorer. Le moi est limité, le moi est fini. Le soi, c'est Dieu en nous. Le soi, c'est l'être. D'accord ? Ce que nous devons
adorer notre nature supérieure, c'est notre soi. Le moi, c'est notre nature inférieure, c'est le démon en nous. J'espère que nous aurons peut-être très prochainement l'occasion d'en parler, si vous le permettez, plus amplement. Donc, c'est la Svatisthana veut dire la résidence du soi, c'est-à-dire la résidence de Dieu. En nous. En nous. Ouais. Regardez que Dieu n'habite pas notre cœur, c'est-à-dire, en tout cas, son trône n'est pas dans notre cœur. Non plus dans le cerveau, mais là, à ce niveau. Le plexus qui est relié à ce chakra, on l'appelle le plexus sacré. L'os qui est relié à ce chakra, on l'appelle le sacrum. C'est un langage scientifique officiel. Ce n'est pas le jargon spirituel. Donc, en synthèse, cela signifie que le sexe a un caractère sacré. Tout ce qui est sexuel est sacré. C'est la résidence du soi, c'est la résidence de notre être. Ce chakra, bien évidemment, va gouverner notre force érotique, notre énergie sexuelle. Comme qualité, comme pouvoir, comme vertu, lorsque ce chakra fonctionne correctement, on va développer la créativité, la connaissance, l'innocence, la chasteté qu'il ne faut pas confondre avec l'abstinence. C'est deux choses totalement différentes. La chasteté ne signifie pas se couper du sexe. On peut être célibataire et ne pas être du tout chaste. Et on peut vivre en couple et être très chaste. La chasteté, c'est l'éthique sexuelle. C'est la bonne utilisation de la force sexuelle, canaliser la force sexuelle pour se relier au divin. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne peut pas se relier à Dieu sans passer par les mystères sacrés de la sexualité. Parce que c'est à ce niveau, au niveau de ce chakra, que notre soi, notre être divin, notre esprit particulier est assis. Même s'il contrôle toute notre vie, tous nos organes, tous nos corps. Ce chakra, son développement est primordial pour l'exercice de la magie pratique. Si on veut être un grand mage, on a besoin de développer ce chakra-là. Entre autres, il est relié à l'élément eau. Donc, celui qui veut maîtriser totalement l'eau, il doit pouvoir développer ce chakra. Bien évidemment que ce n'est pas quelque chose qu'on va obtenir du jour au lendemain. Mais si on veut y parvenir, on doit travailler ce chakra. Passons maintenant au troisième chakra, le chakra Manipura, qu'on appelle en Occident le chakra du plexus solaire, parce qu'il est justement relié au plexus solaire. Au nombril, donc son emplacement, c'est le nombril. C'est le siège de l'humeur. C'est ce chakra qui gère notre humeur, bonne ou mauvaise, qui produit les émotions. Je dis qui produit les émotions parce qu'on a tendance, on va y venir tout à l'heure, on a tendance à confondre le rôle du chakra Manipura et le chakra du cœur. Les émotions sont produites au niveau du chakra Manipura. Et après, elles sont stockées, transportées, stockées au niveau du chakra du cœur pour être manifestées. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire la capacité de percevoir, de comprendre ses émotions, leur langage. Et par ce fait, de comprendre les autres à travers les émotions qu'ils manifestent. Ce chakra est lié à l'élément feu. Donc, quand il est bien développé, on va avoir l'intelligence émotionnelle, bien sûr, mais on va avoir une faculté psychique paranormale qu'on appelle la télépathie. La télépathie, c'est la communication à distance, c'est-à-dire par les pensées. Et dans ce mécanisme mystique, le chakra Manipura, on peut l'appréhender comme le centre récepteur. C'est-à-dire, quand quelqu'un pense, nous recevons les ondes mentales au niveau du chakra du nombril. Les ondes nous viennent là. Et si ce chakra est correctement développé, suffisamment développé en tout cas, nous allons pouvoir déchiffrer
décrypter les pensées de l'autre. Et quand nous pensons, notre glande pinéale, qui est au niveau du septième chakra, c'est cette glande qui se charge d'émettre nos pensées. Donc on émet les pensées avec la glande pinéale qui est dans le cerveau et on reçoit les pensées au niveau du chakra du plexus solaire, du chakra, du troisième chakra. Le quatrième chakra, c'est bien sûr le chakra du cœur, le chakra anahata. Le mot anahata signifie non frappé. Bon. Quand on regarde un peu ces deux mots, on peut ne pas trop comprendre son sens par rapport à ce chakra. Pourquoi on dit non frappé? Non frappé, pourquoi? Parce que l'univers est soutenu par le son. On est en train de l'expérimenter. Absolument. Là, ici, dans ce studio. L'univers est soutenu par le son. Einstein disait que la vie coexiste avec le son. Et dans toutes les traditions, on dit que c'est le son qui a tout créé. Dans les évangiles, précisément dans l'évangile de Jean, par exemple, il y a cette phrase, c'est d'ailleurs la phrase qui commence l'évangile. « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. » Et les hindous, précisément dans la Bhagavad Gita, qui est l'équivalent de la Bible chez les hindous, il est écrit que « Om est la parole de Brahma, Om, O-M, est la parole de Brahma, avec Om, Brahma a tout créé. » C'est-à-dire, Dieu c'est le son c'est Dieu, et le son crée. Or, pour produire du son, nous savons que il faut qu'il y ait un choc entre deux objets. C'est le choc entre deux objets qui va produire un son. Et ce son est propagé par l'air. Et quant au chakra anahata, il y a justement le son Om, le son primordial, le premier son qui a résonné dans l'univers, qui résonne sans cesse dans ce chakra-là. Et c'est le son primordial, c'est-à-dire ce son-là, il n'a pas été frappé. C'est pourquoi on dit non frappé anahata. C'est-à-dire il est venu, on n'a pas eu besoin d'un choc pour avoir cette onde sonore. C'est un chakra magnifique que nous devons développer parce que c'est à travers ce chakra que nous allons manifester les émotions. Mm-hmm. C'est pour cela que les qualités, c'est l'amour, d'accord, c'est l'altruisme, mais aussi l'intuition. L'intuition qui est une qualité fondamentale pour l'éveil de la conscience. C'est la capacité de comprendre quelque chose sans passer par le processus du raisonnement. Il y a des personnes qui sont totalement illettrées, analphabètes, mais qui savent plus de choses que nous qui avons été à l'école. Ouais. Qui savent plus de choses sur les astres, sur les étoiles que les astronomes. Comment ils l'ont su? Grâce à cette faculté, grâce à l'intuition. Le chakra du cœur est également fondamental pour le voyage astral. On a besoin de développer ce chakra pour réaliser le voyage de l'âme de façon consciente, bien sûr. Passons au cinquième chakra, le chakra Vishuddha, le chakra de la gauche. Le mot Vishuddha signifie purification, c'est-à-dire ce chakra, ce centre énergétique, ce centre magnétique est le centre de purification. On doit purifier les choses. Arrivé à ce niveau, la parole doit être purifiée. On dit communément qu'il faut tourner sa langue sept fois. Avant de parler. C'est la purification, mon papa, parce que les qualités reliées à ce chakra, c'est la communication. Cependant, il y a communication et bonne communication. Donc, nous allons plutôt parler d'éloquence. Aussi, la vérité, parce que quelqu'un peut être très éloquent sans être véridique. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Donc, la vérité. Donc, ce chakra-là, celui qui le développe, ça va être quelqu'un qui a toujours un langage véridique, qui sait communiquer, même s'il n'utilise pas de gros mots, il sait prononcer les mots qu'il faut quand il le faut. C'est ça la bonne communication. Ce n'est pas d'être forcément un grand orateur. Socrate dit, avant qu'une parole ne soit prononcée, il faut qu'elle ait trois ingrédients. Premièrement,
il faut que la parole soit belle. C'est-à-dire, si nous devons ouvrir notre bouche et dire des monstruosités, il vaut mieux la fermer. Excusez-moi de parler. Et si, il vaut mieux la fermer. Et Saint Jacques le dit également dans son épître. La langue, c'est un petit muscle, mais il peut créer des incendies. De la même façon, peut-être quelqu'un peut être très en colère et il suffit de dire deux, trois mots, on l'apaise. La deuxième qualité ou le deuxième ingrédient que la parole doit avoir avant qu'on ne la prononce, c'est qu'elle doit être vraie. Habituellement, on pense que le mensonge, c'est un péché mignon, c'est un petit péché, mais le mentir, c'est extrêmement grave. Lorsqu'on se réfère à l'arbre de la vie, à l'arbre kabbalistique, nous savons que les trois séphirotes qui composent la couronne séphirotique, c'est Keter, Chokma, Bina. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et on dit, nous disons dans le gnosticisme, que celui qui fornique, celui qui utilise mal son énergie sexuelle, il pêche contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est chasteté. Ce n'est pas pour rien qu'on le représente avec une colombe, un oiseau tout blanc. Il est purité. Celui qui tombe, qui ressent de la haine, de la rancœur contre son prochain, il pêche contre le Fils, le Christ, parce que le Christ est amour. Et celui qui ment pêche contre le Père. Vous voyez jusqu'où on a mis le mensonge? Celui qui ment, voilà, parce que le Père est vérité. Jésus a dit, connaissez la vérité, vous rendra libre. Autrement dit, connaissez Dieu et vous deviendrez libre. Parce que la vérité, c'est Dieu. Donc, nous avons besoin de travailler ce chakra. Parce que parfois, on ment par faiblesse. On ment parfois par paresse, je vais dire. Parce qu'on dit les choses, on ne veut pas. On ment pas. Donc, il faut développer ce chakra pour pouvoir apprendre à dire la vérité, pour savoir communiquer correctement. Il y a une faculté psychique, paranormale, mystique, très importante qu'on peut développer quand ce chakra s'éveille correctement. C'est ce qu'on appelle dans la gnose la clairaudience, l'ouïe occulte. Parce que les organes auxquels le chakra Vishuddha est relié, c'est à la fois la gorge, donc la bouche, mais aussi les oreilles. Oui, c'est beau de savoir parler, mais c'est très important de savoir écouter. Je dirais même que c'est facile de parler. Parler, c'est plus facile que d'écouter. Et d'ailleurs, dans nos enseignements, on consacre carrément des séances pour apprendre à écouter. Ça nous paraît banal, mais c'est très important. Lorsque nous lisons un livre biblique comme l'Apocalypse, Jean de Patmos, l'auteur de l'Apocalypse, à des moments donné, il dit « Ici, il y a de la sagesse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jean de Patmos, c'est que Dieu nous a fait tous avec des oreilles, mais pourquoi il dit que celui qui a des oreilles entende? Parce qu'il parle de l'entendement, de l'ouïe occulte. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, non seulement il faut apprendre à écouter correctement, c'est-à-dire ici, dans ce monde physique, mais arriver aussi à entendre les sons de l'au-delà, la voix des anges, la voix des maîtres. Je vais vous donner un exemple vraiment très, très, très beau par rapport à ce chakra. Vous connaissez Beethoven, ce grand musicien. Bon, on aime les symphonies de Beethoven. Quand on écoute les symphonies de Beethoven, ça nous transporte loin. Mais il y a quelque chose que tout le monde ne sait pas de Beethoven. C'est que Beethoven a composé ses symphonies en étant sourd. Il était déjà totalement sourd. Alors comment un musicien puisse faire des compositions que lui-même n'arrive pas à entendre? Et pourtant, sa musique-là, on joue jusqu'à nos jours. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. C'est parce que cette musique, il a capté des dimensions supérieures de ce qu'on appelle la musique des sphères.
Et donc là-bas, avec son ouïe occulte, son ouïe physique ne fonctionnait pas, mais avec son ouïe occulte, il a pu entendre cette musique et il sait que les hommes l'apprécieront, ce serait beau à entendre. Le sixième chakra, c'est le chakra Ajna. Le chakra que j'ai dit le plus populaire, le chakra de l'entre-sourcil, parce que c'est là que ça se trouve, entre les sourcils, à la racine du nez. Donc, ce chakra, quand on le développe correctement, on acquiert un pouvoir qu'on appelle la clairvoyance, la vision dans l'astral, mais pas seulement dans l'astral aussi, mais dans toutes les dimensions subtiles, même dans les enfers. Oui. Même dans les enfers, c'est-à-dire dans les infradimensions. Et bon, la clairvoyance, bon, on peut dire ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être un mystique pour se préoccuper du bon fonctionnement de ces chakras, parce que notre vie de tous les jours dépend du bon fonctionnement de ces chakras-là. Parce que c'est ce chakra qui nous donne, c'est pas ce chakra qu'on va avoir aussi, ce qu'on appelle la persuasion. La persuasion. Ajna, si on veut le traduire littéralement, ça signifie centre de commandement. Alors on va se demander comment on peut commander avec les yeux. Ben oui, bien sûr. Il nous arrive, peut-être qu'on est en train de... On a reçu un invité, on est en train de discuter, peut-être notre enfant est à côté, fait du bruit, ou bien il fait quelque chose qui ne nous plaît pas. On lui lance un regard. On lui lance un regard, il a tout compris déjà. Et il se tait. Donc, à travers ce chakra, on exprime la force mentale. On peut commander. Ce chakra exprime le pouvoir de fascination. Ouais. Un pouvoir qui est très remarquable chez... certaines personnes, mais même chez des animaux. On sait que les serpents arrivent. Voilà, le cobra par exemple. Qui est... fascination de cobra. Voilà, la fascination de cobra, parce qu'avec son regard, il peut immobiliser sa proie. Ouais. Pas le regard. Et le revers, c'est que, bon, c'est pas ce chakra aussi que nos frères et sœurs de la main gauche, les sorciers, les mages, voilà, utilisent ou ils font ce qu'on appelle le mauvais œil. C'est-à-dire, juste par le regard, ils envoient un flux souvent aux enfants. Donc, ce chakra est relié à la glande pituitaire, d'accord, et nous permet de vraiment d'expérimenter les autres dimensions. Le septième chakra, c'est le chakra couronne, le chakra Sarasrara. C'est la porte des dieux. C'est-à-dire, c'est la porte par laquelle notre âme rentre et sort du corps physique. Quand on fait le voyage astral, c'est par cette porte que l'âme s'échappe. Ce chakra est toujours ouvert chez les enfants, par la fontanelle supérieure, parce que c'est situé au niveau de la glande pinéale, donc au sommet de la tête. Et chez les enfants, c'est ouvert, on voit la fontanelle qui bat, parce que les enfants, ils viennent justement de descendre de l'autre monde. C'est ça. Et il leur faut du temps pour rentrer correctement dans notre monde tridimensionnel, dans le monde physique. Donc, ils viennent plus fréquemment que nous, les adultes. Et à un moment donné, ça se ferme. C'est l'un des chakras qui se ferme totalement chez beaucoup de personnes et qui fait que, bon, on reste enfermé dans les hypothèses, les superstitions, les dogmes de ce monde. On ne sait rien de l'au-delà. Nous avons besoin de développer ce chakra qu'on appelle le chakra aux 1000 pétales, parce que quand c'est développé, on acquiert l'illumination, la sagesse divine. Donc voilà un peu quelques détails sur les 7 chakras principaux. Alors comment éveiller donc ces chakras-là? Ah oui, c'est important parce que c'est bien, nous verrons de faire un tableau, hein, de dresser un tableau synoptique sur les chakras. Mais bon, il faut les éveiller. Il faut les éveiller parce qu'avec tout ce que nous venons d'expliquer, c'est beau, c'est important d'avoir ces chakras éveillés. Cependant, si nous voulons éveiller nos chakras, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans des pièges qu'on voit ici et là. Bon, ce sont les revers de l'aide du Verseau. Hein, la connaissance est libérée, mais bon, la mauvaise connaissance est également là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, il suffit de porter un bracelet avec des pierres pour réveiller les chakras. C'est vrai que les chakras étant des centres maïtiques,
On peut avoir des objets, je ne suis pas allé dans les détails avec les couleurs et tout, d'accord? Des objets, des couleurs, des pierres, beaucoup de choses qui ont la même fréquence vibratoire qu'un chakra. Mais franchement, il ne suffit pas de porter un bracelet de pierres, même si ces pierres sont en harmonie avec les chakras, pour éveiller ces chakras. Franchement. Après tout, bon, c'est du marketing spirituel, le reste. Et même dans la fiction, un personnage comme Naruto Uzumaki, c'est que pour éveiller ses chakras, on a besoin de travailler sur soi. Et quel travail devons-nous faire? On a besoin de méditer. Et dans la méditation, on va vocaliser des mantras. Autrement dit, la méthode pour éveiller les chakras, c'est d'utiliser le pouvoir du son. Mais il faut adopter la bonne méthodologie, complète, efficace, parce que au lieu d'écouter, c'est vrai, on peut composer, hein, avec tout le progrès scientifique aujourd'hui, on peut composer des musiques spécifiques qui vont développer tel ou, je ne vais pas dire développer, qui vont stimuler, c'est plus juste, tel ou tel chakra. Mais au lieu d'écouter passivement une musique donnée, nous pouvons utiliser notre propre verbe. C'est ce qui est recommandé. Il faut utiliser les mantras pour développer les chakras. Il y a des séries de mantras. Peut-être que c'est nécessaire d'expliquer un peu ce que c'est que le mantra. Voilà, un mantra, c'est une parole de pouvoir. Donc, le pouvoir des mantras, c'est-à-dire, se trouve, réside dans la phonétique. Ouais. Le son qui jaillit de ces mots qu'on prononce. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas juste d'interpréter un mantra. Non, c'est d'entendre le son. D'entendre le son. Juste. Juste. Parce que c'est vrai, il y a des mantras qu'on peut traduire, mais d'autres n'ont aucun sens formel. Donc le plus important, c'est ce son. Donc il faut utiliser les mantras pour pouvoir développer ses chakras, pratiquer la méditation. Et au cours de la science de la méditation, nous allons prononcer le mantra qui correspond au chakra que nous voulons développer. On peut travailler avec un seul chakra, tout comme on peut travailler dans une seule séance avec les sept chakras. Dépend de nos besoins. Le Vénérable Maître Samuel Anveo nous a donné beaucoup de séries de mantras. Mais je vais donner ici, puisque nous sommes à l'antenne, je vais donner une série très simple, très banale, qui permet de développer, d'éveiller les chakras. Ce sont les voyelles de notre alphabet. C'est tellement simple que, bon, certaines personnes ne vont pas y accorder de l'importance. Les cinq voyelles que nous avons dans notre alphabet sont d'authentiques mantras. D'ailleurs, tout mot, l'alphabet, même tout alphabet est sacré. Quand on parle dans l'occultisme, on utilise beaucoup l'alphabet hébreu. Mais ce n'est pas seulement l'alphabet hébreu qui est tout alphabet. Magique. Est magique. Cependant, il faut reconnaître que entre une langue et une autre, il y a des niveaux. Il y a des langues qui sont plus puissantes que d'autres. Notamment l'hébreu, l'araméen, le latin aussi. Le latin aussi, d'accord. Le français l'est moins, d'accord. Le chinois aussi, c'est une langue puissante, d'accord. Donc, tout alphabet est sacré et les voyelles sont encore spécifiquement sacrées. Le mot voyelle signifie petite voix. C'est-à-dire, c'est les voyelles qui donnent, qui produisent le son. Le son et qui donnent du pouvoir au mot qu'on prononce. Si vous prenez un mot, vous lui enlevez ces voyelles, le mot n'a plus de force. Si je prends le mot papa, j'enlève les deux A là. Ça ne va pas bien sonner. Donc, ces voyelles, ces cinq voyelles, plus deux lettres que, bon, chez les profanes, ce sont des consonnes, mais pour les initiés, ce sont des voyelles. Il s'agit des lettres M et S.
M et S. Alors, de façon concrète et ordonnée, pour développer les deux premiers chakras, si nous commençons par le haut, c'est-à-dire le chakra Sarasara, le chakra couronne, et le chakra Ajna, pour les éveiller, on va prononcer le son I. Le son I, c'est-à-dire la voyelle I, la lettre I, permet d'éveiller ces deux chakras. La voyelle E permet d'éveiller le chakra de la gorge. Le son O permet d'éveiller le chakra du cœur. Avec la voyelle U, qu'il faut prononcer OU, en ésotérisme, le U se prononce OU, d'accord, nous pouvons développer correctement et totalement le chakra du plexus solaire. Le chakra sacré, le chakra sexuel, on le développe avec le son M. Ce M, on va le prononcer en ayant les lèvres fermées, d'accord. Et enfin, le chakra de base, le chakra Muladhara, on va le développer avec le son S, qu'il faut prononcer de façon douce et paisible. À ce propos, je vais juste attirer l'attention des uns et des autres sur ce chakra qu'on utilise sans s'en rendre compte. Merci infiniment, Kenneth Gomissi. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions sur les chakras et comment les éveiller à travers les exemples que vous aviez donnés. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. À très bientôt.